Vous savez, vous connaissez l'adage femme au volant, mort au tournant. Pas mode, du tout. Oh. Mode au tournant, la mode. Merci. Et oui, pas... en ce moment, les femmes dans la mode, elles ont envie de volant. Pourquoi? Oui. Parce qu'elles aiment virevolter, elles aiment s'envoler, elles ont besoin de légèreté. Mmh. Eh bien, justement, c'est la nouvelle tendance, Caroline. Oui. Ce sont les volants. Oui, c'est ça. À nous, les looks romantiques, hispaniques ou encore même folk. Regardez, ils ont été vus sur de nombreux podiums. On le voit de version en version romantique, un peu rock, dans des tons clairs et pastels. Et finalement, c'est pas mal parce que ça assagit les froufrous. On a une autre version en crop top. Vous avez vu, avec des mini bretelles et maxi volants, c'est vraiment le truc cette saison. Et le dernier, c'est les volants au total look. Alors, vous avez vu que les volants sont un atout mode, mais attention de ne pas en faire trop, regardez toutes les astuces. Des volants dans tous vos looks, tout le temps, mais pas n'importe comment, c'est maintenant. On assume les volants et on joue à fond le look flamenco avec une superposition de jupons. Un conseil, choisissez de préférence un voile de coton et évitez les jupons en viscose trop brillants. En haut, sur votre chemisier, remplacez les traditionnels pois par des rayures et nouez-le pour marquer la taille. Afin de sophistiquer votre allure, optez pour des sandales à gros talons et osez les maxi créoles. Olé ! Pour ne pas surcharger la silhouette, adoptez un sac de petite taille. Contentez-vous de l'essentiel. Le week-end, les volants s'inspirent des boubous africains avec cet ensemble pantalon effet wax hyper coloré et ultra léger. Le jeu des sangles des bretelles et celui des chaussures souligne la douceur des volants et du motif floral. Tout en restant dans les teintes de l'imprimé, on s'amuse à accumuler les accessoires ethniques avec un bandeau tressé dans les cheveux ainsi que des bracelets émaillés. Touche finale de ce look estival, une paire de solaires hyper graphiques. Le soir, on porte les volants crop top dans un voile de coton à fines rayures qui rappelle les chemises d'hommes. Super sexy. En bas, on la joue très couture avec une jupe longue à taille très haute réalisée à partir de bandes de tissu effrangées appliquées sur un voile de coton. Elle se porte doublée d'un jupon en tulle pour donner du gonflant. On accessoirise grâce à des boucles d'oreilles à plumes et autour du poignet, on ajoute un œil bienveillant comme un porte-bonheur. Parez vos pieds de sandales à talons hauts et fins afin d'élancer votre silhouette. Les volants ultra féminisent tous vos looks. À vous maintenant de les adopter. Ah, c'est magnifique, oui, vraiment. Alors, vous l'aurez compris, les volants sont la tendance de la saison. Donc, j'ai poussé un peu le bouchon encore plus loin. Je vous ai trouvé des maillots de bain à volants. Parce que t'es toc-toc. Alors, certes, Janane, je te l'accorde, c'est un peu régressif. Mais en revanche, pour la morphologie, c'est juste génial. Parce que vous savez que plus on ajoute du volume à certains endroits de la silhouette, et plus ça la repulpe. Donc, mesdames, lorsque vous avez une petite poitrine, eh ben, optez pour un maillot de bain à petit volant au niveau de la poitrine. Et si vous avez besoin de recréer des hanches un peu plus généreuses, eh ben, vous prenez un bas de maillot de bain avec les volants sur le côté. Et du coup, ça fonctionne à chaque fois. Donc, vous voyez, il faut utiliser les tendances pour se valoriser. Mais on évite si on a des rondeurs. Au contraire, on met des choses plutôt près du corps. Et par contraste, les rondeurs vont s'écraser complètement. Et donc, ça va affiner la silhouette. Ben, merci beaucoup. C'est très complet. On trouvera tout sur France2.fr/CCBB.